Et salut tout le monde, c'est MultiCrafter06, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de Captive Minecraft, donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super comme d'habitude, et aujourd'hui alors on a pas mal de choses à faire, des choses simples mais aussi des choses compliquées. Alors déjà vous savez quoi, on va résumer par ça. Les objectifs que je peux faire, c'est faire un gâteau. Le problème c'est que je pensais que je pouvais le faire parce que j'avais tout ce qu'il faut. Sauf en fait que j'ai oublié que j'ai pas de sucre, donc j'ai toujours pas de canne à sucre. Donc ça c'est assez problématique, donc je peux pas faire cet objectif. Aéroport, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc on va sauter d'une falaise à dos de cochon. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Là on a duel de sniper, donc il faut tuer un squelette à plus de 50 mètres, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Manger une pomme de notch, c'est pas pour tout de suite. Sur la bonne voie... Ah, sur la bonne voie, j'avais oublié ça. Sur la bonne voie, bon, on va essayer de le faire aujourd'hui. Localiser l'end, on n'y est pas encore, il nous faut les ender perles. Des diamants pour vous, on peut pas, ça, il nous manque la canne à sucre. Donc je pense que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est peut-être le minecart, ça m'étonnerait, mais peut-être. Mais surtout ces deux objectifs, alors j'ai essayé de... En fait, j'ai un spawner à squelette ultra bas. Ouais, donc tout ce qui est dans mon inventaire, je vais vous expliquer ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai planté des melons aussi. Hop. Ouais, donc là, en bas, j'ai un spawner à squelette. J'avais creusé jusqu'ici pour faire que je sois à 50 blocs au-dessus de lui et que je lui tire dessus. Je l'ai tué à 50 blocs, il était 50 blocs en dessous de moi, mais ça a pas marché. Donc il faut que je trouve une autre alternative. Je sais pas si les mobs peuvent spawner autour de ça. S'ils peuvent, ce serait magnifique, je pourrais le tuer. S'ils peuvent pas, ce serait assez problématique. Mais bon, donc on va essayer de faire ça. Ensuite, alors, je vais vous récapituler parce que je suis allé dans les mines, du coup, j'ai trouvé 2-3 nouveaux coffres, du coup. J'ai eu une pomme, j'ai eu quoi? J'ai eu beaucoup de poudre à canon, du charbon, une armure en or pour cheval, une patate, de la redstone, enfin une redstone, une houe en diamant, un peu d'or, des os, enfin à part ça, pas des trucs très intéressants. Et j'ai eu un livre, alors pour l'instant ça a pas l'air de trop vouloir spawner. Non. Si ça peut pas spawner, je vois pas trop comment je vais faire, hein, mais bon. Bref, du coup, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Jour 42, pas d'argile. En gros, il n'y a pas d'argile autour de lui. Il fait froid et... Enfin, le froid est réellement en train de s'emparer de moi, on va dire. J'ai... Nightmares, je sais pas ce que c'est. La nuit dernière, j'étais collé dans une mine qui ne finit jamais. Roller coaster, je sais pas ce que c'est. Elle va au-dessus de 1000 blocs, round and round, ok. En gros, il dit qu'il est collé dans un endroit, qu'il a très froid, qu'il sait pas quoi faire, et que le froid est en train de prendre le dessus sur lui, et que la mine en dessous est infinie, voilà. Enfin, elle fait 1000 blocs, quoi. Ouais, bon, clairement, c'est un peu le caca, parce qu'il n'y a aucun mob qui spawn autour. Je vais essayer de les faire spawner, peut-être en descendant. Si je fais ici, que je bouge un petit peu... Je sais pas, je pense pas que ça va marcher, mais on va bien voir. Si je reviens ici, est-ce qu'il y a des mobs qui ont spawné? Eh bien non. Bon bah, je sais pas ce qu'on va faire. Du coup, on va essayer de faire l'objectif avec le cochon. Hop. Donc alors déjà, je pense que je vais faire une géante tour et que je vais monter avec le cochon en haut. Alors déjà, il faut que je prenne un grand cochon. Hop. Je le fasse monter. Ok, bon, c'est le petit cochon qui vient. Le petit cochon. Bref, ouais, bon, du coup, on va se retrouver une fois que je serai tout en haut de ma falaise avec le cochon. Donc, je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve. Alors, on est avec notre petit cochon. Je lui ai mis sa selle. Je me suis fait une canne à pêche avec une carotte et on va voir si ça marche. Oui! Bon, j'ai failli mourir. du coup, on a eu le succès aéroport, parfait. Petit jeu de mots, pas dégueu. du coup, alors, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Donc logiquement, on a eu rien vu que maintenant c'est une partie entière.
Donc on n'a rien pu avoir. Et du coup, pendant que je suis monté là-haut, il n'y a aucun squelette qui a spawné. Donc du coup, je vais vous faire une ellipse et je vais essayer de trouver une solution. Donc on se retrouvera peut-être beaucoup plus tard en fait. Donc on verra, soit je... Et si jamais je trouve pas, je ferai le truc avec le minecart. Donc on se retrouve une fois que je sais ce qu'on va faire. Donc à tout de suite. Et retournons, donc on se retrouve, alors on est dans la grotte tout simplement parce que je viens de découvrir un truc. Apparemment, on a aussi le succès des diamants pour vous, là le truc où il faut donner un diamant ou recevoir, je sais plus, un diamant d'un joueur. Apparemment on peut donner un diamant, enfin il faudrait donner un diamant à un zombie qui puisse le récupérer et le tuer pour le récupérer, et ça devrait marcher. Donc on va essayer, on a 2-3 zombies ici, on va voir s'ils peuvent le récupérer. Mince, d'accord, c'était nul. Ah ok, mince, je sais pas s'ils peuvent le récupérer, du coup on va essayer de les faire bouger. Voilà, hop, on va récupérer notre petit diamant quand même. Toi, est-ce que tu peux le récupérer? Non, très bien. Bon bah, adieu. Hop. Est-ce que l'autre peut le récupérer? On va voir ça maintenant. Et non, il le récupère pas. Bon. On va devoir trouver un autre zombie, du coup. Alors, l'endroit où on peut trouver des zombies, vous y avez sûrement pensé, c'est au spawner à zombies. Donc on va essayer d'en trouver. Et du coup, bah, je vous retrouve une fois que j'en ai un. Allez, c'est parti. Et re tout le monde, donc on se retrouve. Alors, beaucoup de temps plus tard. Alors, effectivement, j'ai essayé donc avec quelques zombies de faire le truc avec les diamants. Ça a pas l'air de marcher pour l'instant. Je l'ai pas fait énormément de fois. Mais ça a commencé un peu à me saouler. Du coup, je me suis dit, bon bah, vu qu'on va être amené à le faire plus tard, autant le faire maintenant. Alors j'ai commencé à aménager le spawner et vous voyez que donc les zombies spawnent dans la cage, j'ai optimisé au max, j'ai mis 4 blocs vers l'est, l'ouest et tout. Je sais plus ce que c'est l'histoire, attendez, je regarde vite fait Skype. Ok, d'accord, rien d'important. Ouais, du coup il faut creuser de 4 blocs à côté du spawner vers le nord et l'ouest, 3 blocs vers le sud et l'est. J'ai fait un truc assez optimisé, pas le plus optimisé mais quand même pas mal. Avec le spawner à zombies, du coup, je vais essayer d'amener... Enfin, les zombies arrivent tous ici, je crois, ouais. Et donc, je vais jeter le diamant ici, on va voir si jamais les zombies le récupèrent. Ah oui, j'avais pas prévu ça, effectivement. Donc, je vais éviter d'AFK pour l'instant, parce que ça, c'est risqué. Je ferai un truc sécurisé un peu plus tard. Et j'ai des épées en pierre pour pas gaspiller tout mon fer dans des épées, parce que j'en ai quand même cassé 2. Hop. Du coup, je peux me nourrir en chair putréfiée. Ça sert à rien. Mais, ah, bon, bah, vous voyez, personne l'a récupéré pour l'instant. On a un zombie villageois, peut-être qu'il peut le récupérer. Non. Ok, bon, bah, je vais attendre ça tranquillement. En attendant, je vais faire un grinder. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est un grinder, c'est un... Je vais leur foutre un piston dans la tête. Et ils vont mourir, du coup, avec le piston et de suffocation. Donc je vais faire ça, je vais faire ce petit système redstone. En attendant, du coup, je vais farmer un peu les zombies. Et en attendant que je vais faire ça, du coup, on va voir si jamais j'en ai un qui veut bien prendre mon diamant. Allez, donc je vous dis à tout de suite une fois que j'en ai un. Allez, c'est parti. Et re tout le monde, donc on se retrouve alors beaucoup plus tard. D'ailleurs, il ne me reste plus beaucoup de redstone. J'ai fini le grinder et toujours pas de zombies qui veut récupérer mon diamant. Alors, attendez, non, on va réessayer sur ceux-là, j'ai pas encore essayé. Est-ce qu'il y en a qui veulent le récupérer déjà? On va voir ça, non. Donc, alors, ça c'est un levier pour bloquer l'arrivée des zombies. Il active juste un piston qui bloque le tube. Et ça c'est le grinder, donc vous voyez que les zombies suffoquent. J'ai déjà présenté ce grinder pas mal de fois, c'est un design de Matox. Que je mettrai dans la description si j'y pense. Pourquoi des zombies qui sont morts? Ah oui, c'est vrai ça, mince. Bon, je vais aller régler ça. C'est parce que les zombies, des fois, ils sautent juste avant de tomber, et du coup, ils meurent. Donc c'est un design de Matox, je vais pas vous le présenter, je vous mettrai le tuto en description. Parce que je l'ai déjà montré sur pas mal de séries.
Donc, ouais, faites-y-moi penser si j'oublie. Donc, ça permet de mettre les zombies à un demi-cœur et du coup de les one-shot. Est-ce qu'il y en a un qui veut récupérer là? Non. Je sais pas si ça marche encore à 1.10, mais à mon avis, ça a pas l'air. Alors, du coup, je pense que je vais vous faire une ellipse et je vous retrouverai une fois que j'aurai réussi. Mais pour l'instant, pour l'instant, ça a pas l'air de marcher des masses. Hop, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve. Alors, je viens d'obtenir l'achievement Diamond to You. En fait, ça faisait, pour tout vous dire, ça faisait pas mal de temps que j'avais pas joué sur Captive Minecraft. Et il fallait que je mette l'épisode. Donc, l'épisode sortira le jour où je tourne ça, je pense. Et du coup, j'avais vu que j'avais même pas fini l'épisode en fait. Du coup, je suis allé essayer de terminer l'épisode. Et je voyais que ça marchait pas vraiment le truc de donner du diamant aux zombies. Et du coup, j'ai mis la difficulté en hard. Et ça a marché. Je vais mettre en normal. Je sais plus en quoi j'étais avant. Mais j'ai donné direct. Ils ont pu prendre le diamant. Donc j'ai eu l'achievement Diamond to You. C'est bon. Mais le problème c'est que je me rappelle plus, vu que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, ce qu'il fallait qu'on fasse. Donc en tout cas on a eu le petit achievement, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Maintenant du coup on a Enchanteur, mais je me rappelle qu'il me manquait de la canne à sucre, The End, je peux encore trouver l'End. On pouvait faire, ouais, duel de sniper, ça j'avais essayé, j'étais pas arrivé. Je pense qu'aujourd'hui on pourra se finir l'épisode sur, je cherche, ouais voilà, ouais, sur le rail, la on rail. Il y a moyen de faire ça, je pense que ça permettra de terminer l'épisode. Donc de faire, faut faire 1 km en rail. Donc je me rappelle que sur ma toute première série de ma chaîne, j'avais fait le bloc divin. C'était exactement pareil en fait, la série, il fallait faire des achievements. Sauf que c'était en skyblock. Donc je me rappelle, il y avait certains trucs qui étaient pris en compte pour pas qu'on puisse. Ah, j'ai peut-être débloqué des nouveaux coffres. Il y a certains trucs qui étaient pris en compte qui permettaient de voir. En fait, si on faisait des tours sur nous-mêmes en minecart, ça marchait pas. Mais je sais qu'il y a une technique spéciale. Donc je vais aller regarder ça et je vais vous montrer comment on fait. En tout cas, j'ai pas l'air d'avoir débloqué d'autres coffres. Du coup, je vais mettre en place le genre de mini setup pour qu'on fasse 1 km en rail. Oui, j'ai mon, c'est Noël, donc j'ai mis mon petit chapeau de Père Noël. Et du coup, je vais aller checker comment on fait sur internet. Et du coup, je vous retrouve une fois que j'ai fait le petit setup. Allez, c'est parti. Et re tout le monde, donc on se retrouve alors. Ah, oh, mais pile au moment. Mais quel timing. J'ai relu le livre, ce petit livre là, enfin je vous expliquerai après, je vais le faire maintenant parce que j'ai trop peur. Oula, que ça despawn. Alors tac tac tac, je vais supprimer mes flèches vite vite, vous allez rapidement comprendre. Je pense qu'il me faut des flèches de instant heals pour le tuer, parce que je sais que j'en avais eu, voilà. Hop. Vous voyez là-bas, il y a un squelette qui a spawné. Hop. Un husk. Je sais plus comment ça s'appelle, non pas un husk. Ok, je l'ai touché. À côté. Oh non, j'ai plus de flèches. Oh lolo, j'ai dépensé toutes mes flèches. Avec un peu de chance, celle-là devrait le tuer. Oh là, quel noob. C'est une blague, il est mort tout seul. Non! Comment il a fait pour mourir tout seul? Bon. On va devoir attendre la nuit suivante, dégoûté. Oh, je suis dégoûté. J'ai pas d'autres flèches, si j'en ai d'autres. Bon, faudra vraiment que j'essaye de bien tirer la prochaine fois. Mais c'est pas possible. Ouais, donc vous voyez, pendant que j'étais en train de préparer mon truc, là, j'ai pensé à quelque chose. Que si jamais. Si jamais, si jamais, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Si jamais pendant. Enfin. J'étais en train de chercher dans mes coffres un minecart, mais en fait j'en avais pas. Et j'ai relu un peu vite fait tous les livres. Et celui-là, je me rappelle, c'était Somme quelques soirs at dusk, je sais pas ce que c'est.
Je vois, vous vous rappelez, je vois une figure en haut du pic de glace à l'est. De temps en temps, je tire une flèche avant de passer dans le noir, donc que ce soit la nuit. Et en gros, il faut que je tire une flèche là-bas. Et vous vous rappelez, moi, j'avais essayé de tirer une flèche là-bas dans le trou pour voir si jamais il n'y avait pas genre une plaque de pression qui allait faire quelque chose. Mais en fait, non. Je me suis dit, l'evening, c'est le soir. Je me suis dit, peut-être que le soir, il y a quelque chose qui se passe. Alors j'ai attendu là, comme je vous le disais. Et je me suis dit, j'allais vous en parler. Comme ça, j'avais attendu la nuit. Comme ça, parce que peut-être que c'était vrai. Et il s'avère que c'est vrai. Et du coup, en même temps, j'allais faire le truc du Minecart. Et c'est vrai, donc c'est cool. Ça veut dire que la prochaine nuit, je vais essayer. Et en attendant, je vais faire le truc des rails. Et je vous retrouve une fois que j'ai l'achievement et une fois que c'est la nuit pour tuer ce petit gars là-bas. Donc je vous dis à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve. Alors j'ai eu l'achievement. C'est bon. Donc l'achievement du minecart c'est fait, regardez. Échappe, achievement, minecart, voilà. Et le squelette a respawné. Alors maintenant il faut qu'on fasse très très attention là où on tire nos flèches. Je pense que là c'est bien. Trop. Quoi? Non, 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 il a despawn, c'est pas possible. Non. Bon bah j'attends de la nuit prochaine. Je vais me mettre à FK, je vais faire mon petit montage en attendant. Oh là là, mais c'est chiant ça. Bon, du coup, on se retrouve un petit peu plus tard. Il faut que j'attende qu'il refasse nuit. Et donc je vous dis à tout de suite. C'est bon, vite! Toucher. Toucher. Non, non, non. Toucher. Quoi? Mais je l'ai tué là. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ça a pas marché? J'ai peut-être déjà eu. Non. Je l'ai pas eu, mais c'est quoi cette blague? Les mecs. Peut-être que je suis pas à 50 blocs. Bon, cette fois, on va faire un petit truc là parce que ça me saoule un petit peu d'attendre ça 15 000 fois. 13 000, ça doit être bon, je pense. Ouais, ok, c'est bon. Alors, on va se faire un timeset 13 000 pour que ce soit la nuit parce que là, je l'ai tué et vous avez bien vu que ça a rien fait. C'est un petit peu chiant. Par contre, pourquoi elle apparaît apparue? Vous êtes témoin que je l'ai tué. Alors pourquoi ça m'a pas fait achievement? Peut-être que 13 000 c'est trop, je vais mettre 12 000. Ah non mais c'est vraiment bizarre là. Pour le coup, je ne comprends pas. J'étais vraiment. Là je l'ai vraiment tué en plus avec la potion, les flèches de soin. C'est quoi ça? Flèche d'invisibilité. Ok. Je regarde si j'ai pas un autre arc, quoi. Bon, j'ai du fil. Ah, j'ai des flèches spectrales aussi. Je vais essayer d'en tirer une pour voir. Si je la rate, tant pis. Il a spawné, non. On va se crafter un autre arc vite fait. Hop. Au cas où le premier pète, il devrait bientôt péter de toute façon. Bah, ça a pas respawné. Peut-être que si tu le tues une fois, il respawn plus la nuit. Mais c'est un peu chiant du coup parce que vu que ça m'a pas fait l'achievement. Est-ce qu'il y a une commande achievement? Ah bah il a spawné en fait. Bon alors je vais me mettre beaucoup plus loin, je vais me mettre ici. Ça va être plus chaud de le toucher. Non. Toucher. Raté. Raté. Touché. Non, non, te suicide pas, Thierry. J'ai plus de flèches. Ah non, j'ai plus d'arc, c'est ma dernière flèche. Non! Non! Tant pis, on prend les flèches spectrales. C'est pas du tout assez loin. Oh! Là, on est d'accord que je l'ai encore tué.
C'est pas possible, ça fait 50 blocs là les mecs. Mais quel est le fuc? Ah! Flash achievement. Ouais bon, je crois que je vais me give l'achievement, je viens de voir que la commande existe, parce que là, on est d'accord que je l'ai buté deux fois. Achievement, give. Stat name. Duel. Non. S. Non. Ouais bon, je vais trouver comment on se give l'achievement, je pense, parce que là, enfin vous êtes témoin, hein, c'est pas du cheat, je l'ai tué deux fois, et ça a pas marché, c'est bizarre, alors je vais me filer l'achievement. Donc, on va se faire ça, je vous retrouve une fois que c'est fait pour conclure la vidéo. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc je pense que j'ai trouvé... Oui, c'est bon. Voilà. On a eu l'achievement. Franchement, je comprends pas trop pourquoi. C'est assez bizarre qu'on l'ait pas eu d'ici, parce que on est d'accord que ça fait 50 blocs, il est ultra haut, il est genre à 20 blocs de haut. Et là, on est au moins à 30 blocs de distance, en plus je me suis mis ici. C'est quand même bizarre, mais bon... On l'a tué deux fois, c'est comme si on avait eu deux fois l'achievement, donc je pense que vous comprendrez un petit peu. D'ailleurs, toi, non, t'es pas beau. Ouais, juste essayer la flèche spectrale. Ouais. Oh, on voit le creeper d'ici, c'est trop bien. C'est vrai que c'est marrant, mais du coup, j'ai plus de flèche en fait. Tant pis. Bon, du coup, on a eu l'achievement duel de sniper. Aujourd'hui, on s'est fait deux achievements. C'est pas mal, je vais aller voir vite fait s'il n'y a pas de truc dans le nether. Juste tuer Thierry. Non. J'avais oublié qu'il y avait des dégâts de zone. Ah là là. Bon bah je vais réparer ça. C'est pas très beau, en plus je peux pas reboucher derrière. Bon, je reboucherai ça entre les épisodes. Mais c'est quand même bizarre cette histoire de squelette. D'accord, the correspond back ici, ouais. Ok. Ça j'avais ramassé. Pourquoi il y a des vaches là-dedans, j'en sais rien. Pourquoi le spawner marche pas, j'en sais rien. Ah oui, parce qu'il est pas dans la bonne zone. Ça j'avais récupéré. Ça j'avais récupéré. Pourtant je suis bien en... Ouais, je suis en hard. Pourquoi ça spawn pas, je sais pas. Celui-là je l'ai toujours pas, il y a des blazes qui spawn. En fait du coup on va y aller. Bref, on aura fait plusieurs achievements aujourd'hui, mais j'ai l'impression de pas avoir débloqué grand chose. Peut-être j'ai débloqué... Le coffre là-haut. Non, non, je l'ai pas débloqué. Nope. J'ai rien débloqué. Ah si, peut-être ça. Non. Non plus. Ah! Lui, on l'a débloqué. Ouh, alors qu'est-ce qu'on a eu? Un enchantement protection 2, deux boucliers. Du raw mouton. Des œufs, ça sert à rien. Ouais, bon, voilà, voilà. Cet épisode durera pas mal de temps, je pense, en fait. Je veux juste regarder avant de terminer les achievements. On peut pas faire enchanteur. Ça, the end, je sais pas trop comment on peut faire encore. Crafter une pomme de noix, je sais pas assez. Ouais, on peut... non, je vois pas ce qu'on peut faire. Le gâteau, on peut pas le faire, il nous manque de la canne à sucre. Ouais, bon, bah, je vais essayer de... On essaiera peut-être d'aller dans l'end dans le prochain épisode. Faut que je trouve un peu comment on y aille. Donc je vais regarder, je vais réfléchir. Et du coup, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, surtout à vous abonner, ça me fera super plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode chelou avec le squelette et avec les petits objectifs, en fait, on en aura fait 3. Le diamant, les rails et le squelette. Du coup, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 11. Allez, bye bye.